Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais sortir tout simplement un petit gameplay que j'avais depuis super longtemps sur mon ordinateur, parce que vu que je vais un petit peu déstocker tout ce que j'ai en fait, je vais essayer de me débarrasser de certaines gameplays qui sont là depuis des mois et des mois que j'ai jamais pu ou l'occasion de pouvoir vous le montrer. Donc maintenant, je vais passer un petit peu le cap, vu que je sors pas mal de vidéos, donc tant qu'à faire, je vais déstocker les vidéos que j'ai déjà. Donc ça vous permettra de voir un petit peu comment je jouais il y a quelques mois. Donc tout simplement, ça reste pas non plus le gameplay de ouf quoi. Je veux pas faire la nucléaire, je veux pas tenter une mob, je veux juste jouer tout simplement au fusil à pompe en rushant, parce que je suis quelqu'un, pour ceux qui me connaissent pas, j'adore courir en fait pour me faire plaisir. Je suis pas là pour montrer que je suis le meilleur PGM sur Call of Duty ou sur Battlefield. J'ai un style plutôt agressif. Je suis pas quelqu'un qui me prend en sérieux sur Call of Duty, sachant que ça fait depuis Call of 4 que j'ai débuté, donc j'ai pas forcément besoin de me prouver aux gens que je suis le meilleur ou que je suis le pire ou quoi que ce soit. Et je m'en fous de toutes ces conneries là, j'ai déjà dépassé l'âge. Moi je joue pour le plaisir, je cours, et j'ai pas aussi l'utilité de camper, de rester dans un coin et d'attendre que je fais tout simplement mes séries. Donc voilà, c'est que je suis quelqu'un où, pour ceux qui me connaissent pas, vous allez vraiment voir que j'ai une autre personnalité, c'est qu'elle est propre à moi, je me prends vraiment pas la tête. Ça sert à rien de dire que je suis le meilleur dans ça ou j'arrive à faire tout le temps péter des records du monde, car c'est des fois, voilà quoi, ça reste médiocre en fait, je trouve, de penser comme ça, de réagir de telle sorte. Pour moi, on va dire, on a tous un beau niveau, donc chacun, on va dire, à son rythme. Il y en a qui vont avoir un peu plus facilement le niveau nécessaire pour pouvoir faire le maximum de kills, et d'autres personnes qui vont tout simplement mettre un petit peu plus de temps, ou qui n'ont pas forcément le temps aussi approprié devant eux pour pouvoir jouer correctement. Parce que pour devenir un vrai gamer sur Call of Duty ou sur Battlefield, il faut quand même passer du temps. Donc je pense que quelqu'un qui passe limite 10 heures ou 20 heures par jour, limite, admettons que ça existe ce genre de personnage, c'est sûr et certain qu'il arrive à mieux jouer que quelqu'un qui joue que 10 minutes par jour. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas la même proportion d'égalité au niveau des chances. Donc voilà, chacun après sa vision des choses. Moi la mienne elle est claire, c'est-à-dire que je suis pas un gamer qui va me dire ouais regarde j'arrive à faire péter des nucléaires ou je fais ceci ou cela. Ça c'est un gameplay comme ça que je voulais tout simplement déstocker, donc j'espère qu'il va quand même vous plaire un peu. Donc je suis au fusil à pompe, comme vous pouvez voir je fais que de courir, donc désolé un petit peu pour la sensibilité qui a l'air un petit peu très très rapide. Je suis à 13 en fait, donc il y a 14 hein. Je suis juste à 13 sur ce genre de trucs. Le fusil à pompe Remington, donc j'aime bien franchement, mais il y a un truc qui me fait trop sourire, c'est ce que j'ai toujours expliqué dans mes vidéos en fait de Call of Duty, c'est que la portée en fait de loin te shoot en un coup, et dès que t'es à peu près, ça fait des hitmarkers, donc tu sais pas vraiment pourquoi du comment. Donc après je me pose plus vraiment de questions, donc j'espère que Call of Duty Ghost va être vraiment bien amélioré par rapport à tout ça. Donc ce gameplay a été fait sur PlayStation comme vous pouvez voir, donc en haut à droite. Donc maintenant ne me demandez pas c'est quoi mon PSN, c'est pas que je veux pas hein. C'est que j'ai fait un compte spécial qui s'appelait YouTube Body, donc j'avais accepté pas mal d'abonnés, mais le problème c'est que maintenant je peux plus jouer du tout. Ça fait pratiquement un mois et demi, c'est que ma PlayStation en fait elle s'est carrément elle est HS, donc je veux pas en racheter une tout simplement pour acheter une PlayStation pour faire plaisir aux gens, sachant que ça coûte quand même cher. J'ai pas forcément le budget nécessaire pour investir dans ce genre de choses, je préfère on va dire les consacrer pour autre chose que acheter une console qui va juste me durer 2 mois maximum. Allez, elle va durer ouais 2-3 mois quoi, après c'est fini. Il y a la PlayStation 4 qui va sortir, la Xbox One, donc on n'a pas forcément après envie de jouer sur une ancienne console. Tu vas pas dire à tes amis ah tiens tu viens d'acheter la PlayStation 4, viens on retourne sur PlayStation 3. C'est illogique comme réaction, donc je pense que les gens l'ont bien compris. Donc après je sais pas si je veux prendre les deux consoles pour le moment, donc je me tâte bien, mais en fait ça coûte quand même cher. Donc déjà la Xbox One, pourquoi je préfère prendre la Xbox? Parce qu'en fait PlayStation je l'ai acheté dès qu'il était sorti, donc je l'ai payé 600 euros, à l'époque c'était 599, et je me suis dit attends, pourquoi pas maintenant donner un petit peu la chance à Microsoft, sachant que chez Microsoft il y a un tout petit peu plus d'avantages par rapport à Call of Duty. Déjà l'exclusivité des maps, ce qui est logique, c'est que Call of Duty en fait, pourquoi toujours exclusivité, c'est que Call of Duty 1 et 2 est sorti sur PC, et PC ça appartient à qui? À Microsoft, Microsoft égale Xbox. Sony en fait a récupéré que Call of Duty 4 et après a fait une remasterisation du Call of Duty 3, la marche vers Paris, mais c'est Call of Duty 4 que j'ai vraiment connu sur PlayStation 3. Et un dernier petit détail que je voulais vous dire aussi, c'est que ouais, donc ce qui me séduit beaucoup chez Xbox, je suis pas là en train de vendre Xbox ni PlayStation, j'ai rien contre les deux consoles, je suis resté quand même 7 ans chez Sony, donc après voilà, j'ai quand même une préférence aussi chez Sony, ça me dérange pas, mais les serveurs sur Call of Duty ne sont pas forcément à la hauteur, donc les connexions à la chaîne où ça lag, où ça fait que de quitter, ça fait pas que de quitter, mais oui, t'as vraiment des latences très très lourdes au niveau du ping, c'est vraiment pas extraordinaire pour jouer dans ce genre de circonstances. Donc après voilà,
voilà pourquoi j'ai pris Xbox et qu'il y aura des serveurs dédiés par rapport à ça. Donc il y a beaucoup de youtubeurs qui l'ont compris. Donc Monsieur Levedose aussi a sorti ce genre de phrase et qu'il a expliqué la même chose que je suis en train de vous dire. Donc voilà les amis, j'espère que mon gameplay vous a plu quand même. Donc c'est pas un gameplay de ouf, c'est du 24 à 6, tranquille, juste une partie de relaxation. Donc voilà, je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, prenez soin de vous.